Diamo ora il benvenuto a Ezzedine Bouzid, presidente dell'Association Tunisienne de Sauvegarde des Jeux et Sports du Patrimoine, associazione tunisina di salvaguardia dei giochi e degli sport del patrimonio. L'associazione è presente in cortile Mercato Vecchio presso l'area Musei Etnografici Italiani ed Internazionali, con documenti, oggetti, laboratori e strumenti di gioco tradizionale del Nord Africa. Il dottor Bouzid terrà una dimostrazione di due giochi cognitivi di società presentati utilizzando mezzi audiovisivi, al fine di mostrare come sia possibile valorizzarli e promuoverli avvalendosi dell'informatica. Lasciamo ora spazio al nostro ospite. Bonjour pour tout le monde. Je suis très content d'être ici à Vérone pour la deuxième fois et dans le cadre de notre partenariat sur les jeux traditionnels. Ezzedine dice che è contento di essere qua a Verona con noi per la seconda volta nel contesto del Toccatin. Donc je vais aujourd'hui vous parler d'une petite expérience de l'association, comment on développe des documents, des jeux, afin de promouvoir ce patrimoine ludique. Ci vuole spiegare, diciamo, oggi come funzionano alcuni giochi di questo patrimonio ludico e quindi capirne il funzionamento. Donc, comme vous voyez sur la carte, en Tunisie, après plusieurs expériences que j'ai déjà élaborées dans le cadre de la recherche scientifique, j'ai relevé sur les jeux traditionnels un ensemble de jeux cognitifs, de jeux de stratégie cognitif. Donc, je vais voir là, ici, où sont les documents sur les jeux. Les documents pour ouvrir. Ils sont en bas, je pense. Pardon ? Les documents que vous devez ouvrir sont en bas, je pense. Oui. Non, mais là, je pense. Les vidéos ? Non, oui, d'accord. Non, les types de jeux. Fondation, c'est pas moi ça. Non. Non, c'est pas moi. Donc, ça fait rien. Donc, parmi les jeux que j'ai choisis, il y a deux jeux qu'on a développé sous forme numérique. Le premier jeu, je vais vous montrer comment il se pratique dans la vie quotidienne. Donc, à partir de là, nous allons voir comment valoriser ce jeu pour les enfants et comment utiliser les moyens de technologie moderne en informatique. Allora, Ezzedine ci mostra due giochi della vita quotidiana, che sono dei giochi appunto di tradizione ludica, e sono giochi non semplicemente diciamo per divertirsi, ma anche per sviluppare delle capacità cognitive, quindi di pensiero, insomma, bisogna cercare di capire il funzionamento. Ce jeu s'appelle Carbaga. Il est pratiqué souvent par les vieux, par les personnes âgées. Et comme vous voyez, questo gioco è un gioco praticato generalmente dai più anziani, come potete vedere dal video. Et là, il joue par terre. Il utilise le sable, les pierres et les noix de date. C'est le matériel qu'ils choisissent. Donc, ils préfèrent toujours, ces gens-là, ils préfèrent de s'asseoir par terre parce qu'une relation avec la terre est très importante pour eux. Donc, l'espace de jeu, ce n'est pas un espace privé, ou bien le café, ou bien c'est la rue, c'est dans la vie quotidienne, c'est entre les boutiques, etc. Il materiale utilizzato sono sassi, la sabbia e dei piccoli nocciolini di dattero. E quindi si vuole dare importanza appunto ai materiali che ci dona la terra. E appunto lo spazio principale è proprio appunto il per terra, quindi il sedersi per terra e cercare di sfruttare quelli che sono gli elementi della natura, diciamo. No, c'est pas ça, l'altro. Qu'est-ce qui se passe?
passo. Il complètement. Attendez. Regarde, regarde. Là, ici. Alors. Là. Non, 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 pas non, ça. Non, non, non. Là. Là. Alors, là. Voilà. Oui. Non, 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 c'est pas ceci, ça. C'est la présentation. Oui, c'est la présentation, mais le document, c'est là le document, c'est ça, le vidéo. Oui, mais oui. Il faut le faire marcher, c'est tout. Là, c'est là. Vas-y, encore. Quand vous voyez... Ah. Les personnes, ce sont des personnes âgées. Ils dessinent ce qu'on appelle le tablier par terre avec les doigts et en utilisant le sable, uniquement le sable. Donc, maintenant, ils sont dans la première phase du jeu, qui est la phase de remplissage. Comment on remplit le tablier avec les pièces. Donc les pièces, c'est des pierres ou bien des noix de date. Donc comme vous voyez, c'est très difficile de percevoir ça, le schéma. Mais le schéma, ils ont dans la tête. Pas uniquement sur... Praticamente viene disegnato il percorso di questo gioco sulla sabbia, appunto viene tracciato con le dita, vengono usati appunto i semi di dattero e i sassi, ma appunto non è ben visibile il percorso sulla sabbia perché comunque resta un po' difficile vederlo ed è per questo che viene utilizzato l'aspetto cognitivo, quindi bisogna cercare di vederlo con la testa, con la mente. Donc il y a une logique interne entre les joueurs et aussi les règles du jeu. Donc, on pose deux pièces à chaque fois, par ordre de passage, on appelle ça, par ordre de passage. Vas-y. E per giocare vengono appoggiati due pezzi nelle caselle, diciamo, e si continua così per il gioco. Donc, la deuxième phase maintenant. Ils vont attaquer la deuxième phase. C'est la phase comment on mange, on appelle ça. Comment on élimine les pièces de l'autre. E la seconda fase, appunto, è quella di cercare di eliminare delle pedine, ecco. Quindi bisogna cercare di mangiare delle pedine. Voilà, il commence maintenant à prendre les pièces de son adversaire. Tout en réfléchissant à des stratégies tactiques, cognitives, intelligentes. C'est une sorte de guerre entre deux groupes de soldats ou... Oui. Bisogna cercare di mangiare appunto le pedine dell'avversario e questo è in un certo senso, bisogna ovviamente utilizzare la logica, la strategia e quindi diventa un gioco di pensiero anche per capire la strategia giusta da adottare. Donc, permettre aux enfants et aux jeunes de garder ce jeu et jouer, continuer à jouer, on a construit du matériel, on a changé le matériel parce que les gens ne veulent plus s'asseoir par terre, ne veulent plus s'asseoir dans la rue. Donc, on a développé ce matériel et vous avez dans les ateliers que j'ai organisés ici, il y a le modèle de jeu avec d'autres matériels que les pierres. Per cercare di avvicinare anche i giovani e gli adulti a questo gioco, non solo gli anziani, si è dovuto cambiare il materiale perché appunto i giovani non vogliono più sedersi per terra per giocare ed è per questo che appunto il materiale scelto è il materiale che voi potete vedere anche negli atelier che sono alle vostre spalle dove si può provare il gioco, quindi sono stati proprio creati dei materiali apposta per giocare. Pourquoi je veux on a développé ce jeu parce que ce jeu garde une très grande importance d'activité spirituelle, d'activité plutôt cérébrale chez les vieux, chez les personnes âgées. Donc on trouve des personnes même à 90 ans qui jouent à cette activité d'une façon extraordinaire.
Donc, il faut que les jeunes apprennent à jouer et apprennent à réfléchir de la façon que les papas et les grands-papas organisent. Questo si presenta come un gioco, come ho già detto, appunto, dove bisogna utilizzare, cercare di utilizzare molto la strategia. E per questo che si vuole avvicinare i giovani a questo gioco, perché possono sviluppare, diciamo, strategie con la testa, diciamo, con la mente, ragionando, perché ad esempio gli anziani che praticano questa disciplina anche a 90 anni hanno ancora la capacità di ragionare e giocare bene, quindi riuscire a utilizzare il modo giusto, diciamo, del pensiero per muoversi con le pedine, eccetera. Beh, maintenant le CD. Oui, le CD. Le CD. Là, et ouais. En bas, je pense. Ouais. Là Oui, je pense. Non, c'est pas le CD, c'est non, un c'est autre. Le CD, non, c'est un autre. C'est pas le CD. Je ne sais pas. Où est-ce qu'il est, le technicien, là? L'autre vidéo. Attends. Mais qui n'est pas sur le CD. Si, si. Voilà, il est là. Mais où? Je vais te montrer. Où est-ce qu'il est? Là. Voilà. Donc, pour motiver les jeunes, nous avons utilisé la technologie de l'informatique pour créer un jeu numérique et qui valorise notre patrimoine ludique. C'est le jeu de Carbaga, on appelle ça. Il ne ressemble pas exactement à l'échec, l'échec moderne, quoi. Vas-y. E quindi per avvicinare i giovani a questo gioco abbiamo sviluppato diciamo un gioco numerico, però utilizzando l'informatica, perché appunto i giovani al giorno d'oggi usano molto l'informatica. Il est en arabe, bien sûr, écrit en arabe. Mais nous trouvons là la façon de jouer et aussi les stratégies de jeu. Les stratégies de jeu. Parce qu'il faut faire apprendre aux jeunes comment réfléchir et quelles sont les stratégies à apprendre numériquement, en utilisant le matériel numérique. Donc parmi les stratégies de jeu, nous avons les caractéristiques, plutôt dans le document, nous trouvons les caractéristiques ethnologiques du jeu. On explique le jeu, son historique, son aspect social, l'aspect culturel et tous les éléments qui valorisent le côté ethnologique. Quindi come possiamo vedere, vabbè, è in arabo, comunque sarebbe, possiamo trovare appunto delle parti che spiegano la parte, diciamo, intellettuale di questo gioco, quindi l'aspetto culturale, storico, e per cercare di far sviluppare appunto nei giovani queste capacità, appunto utilizzando sempre la mente. On parle aussi de l'espace, on parle des matériels, on parle des joueurs, on parle de temps, on parle de tout. Là, on présente le jeu avec toutes les caractéristiques culturelles. Oui. Vengono presentate molte cose come lo spazio, il tempo, quindi appunto tutte quelle che sono le caratteristiche culturali. Et après, on présente les différents types de Carbaga. Il y a la Carbaga les plus simples pour des enfants, la Carbaga à 3, puis la Carbaga à 5, puis la Carbaga à 6 et jusqu'à la Carbaga à 7 qui demande plus de réflexion tactique. Ci sono vari tipi di Carbaga, che è appunto il nome del gioco, quello semplice per bambini, poi quello a 3, quello a 5, quello a 6 fino a quello a 7, che appunto è quello, diciamo, il livello più alto che presenta maggiori difficoltà. Donc parmi les stratégies, je prends un exemple, la Carbaga à 7, les stratégies tactiques de la Carbaga à 7. Vas-y. Ci fa vedere, prende un esempio per farci capire quali sono le caratteristiche tattiche appunto della Carbaga a 7 persone. Donc, quand vous voyez sur le chemin, il y a une stratégie comment manger l'autre, comment manger l'adversaire. Ouais. E ci sono delle strategie, appunto, bisogna cercare di capire le strategie per mangiare, insomma, le pedine, ecco. Donc il faut cerner la pièce de l'adversaire entre deux. Là, le vert, il avance vers le marron
et le marin est cerné entre deux. Donc, on le tire du jeu, il est exclu. Et dans ce cas-là, il est exclu. D'accord ? Bisogna cercare di chiudere, diciamo, la pedina all'interno di una casella, in questo modo il, cioè una pedina appunto viene tipo eliminata, mangiata, quindi esclusa. Deuxième stratégie, c'est comment annuler deux pièces avec à la fois, une seule avec une seule pièce. Donc annuler deux pièces de l'adversaire avec une seule. Voilà. Le marin qui se déplace à droite puis en avant pour enlever deux pièces en vert. La seconda strategia è quella invece di avere la capacità di togliere due pedine. Donc tout ça, ce sont des éléments pédagogiques. On appelle ça des éléments pédagogiques. Parce que si on ne facilite pas aux enfants comment faire jouer avec des règles simples, les enfants n'assimilent pas bien et refusent de jouer. Tutte queste sono regole pedagogiche, diciamo, che vengono fatte capire al bambino, appunto, per cercare di fargli capire al meglio come funziona il gioco. Comme vous voyez, on est passé de la terre, le jeu sur sable, à un jeu numérique. Donc on a essayé de garder surtout les règles du jeu, mais on a changé le matériel. Donc, parce que les gens ne veulent plus rester par terre, ne veulent plus s'asseoir les jambes croisées, ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas la motricité aussi pour croiser les jambes, ils sont habitués à s'asseoir sur les chaises, donc on doit développer aussi les moyens pour faire jouer les jeunes et surtout l'informatique est devenue un moyen très, très important pour attirer les jeunes à leur patrimoine. Ci sta dicendo come appunto è stato cambiato il gioco, si è cambiato il piano di gioco appunto dalla sabbia, quindi dal sedersi per terra nella strada, come per i bambini nel giorno d'oggi quasi si preferisce un gioco numerico, appunto informatico, perché i bambini sono più abituati a sedersi sulle sedie piuttosto che per terra. Voilà. Quindi comunque cambia il materiale, un po' la tattica di gioco, ma il gioco resta più o meno lo stesso. Le deuxième jeu s'appelle les moutons et les loups. Le mouton, les moutons et les loups. Donc c'est un jeu inspiré du patrimoine tunisien. Et vous avez sur la table ici le type de jeu. Et les passagers sont en train de jouer ça. Donc il faut motiver les jeunes pour pratiquer ce jeu. On a créé cet espace, comme vous voyez le schéma du damier, pardon. Questo gioco si chiama i montoni, diciamo, le pecore, insomma, e il lupo, è un gioco che viene anche presentato qui nell'atelier, e anche in questo caso un gioco di strategia. Donc il y a deux lions, pas lions, mais des loups. Donc on va placer les loups. Le premier loup, et le deuxième loup. Alors ces loups se promènent dans le pâturage, et les moutons. Là, il faut un peu de temps pour placer les moutons. Hein, c'est rigolo, hein? Nel gioco, insomma, bisogna posizionare i lupi. On ne joue pas. Ici, j'ai préféré que le jeu se pratique entre deux personnes, et non pas avec l'ordinateur. Donc l'ordinateur, ce n'est qu'un moyen uniquement. Il ne figure pas comme joueur. C'est pas une présentation avec laquelle on joue, une programmation dans le joueur communique avec l'ordinateur. Non,
on a voulu que la communication soit entre les deux joueurs. Par exemple, je joue avec mon amie Valentine, qui porte le rôle des moutons. Allez. Non. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu prends là, avec la souris, et tu places la souris. Voilà. Donc, on est deux. On joue à deux. Je ne joue pas avec l'ordinateur. Parce que si on joue avec l'ordinateur, il n'y a plus d'aspect social. La réaction avec l'ordinateur... Continue. La réaction avec l'ordinateur est très mécanique. Par contre, quand je joue avec une personne, une réaction humaine, une réaction affective, il y a l'affection là-dedans. On peut même discuter au cours du jeu. On peut faire... On peut se regarder, on peut rigoler ensemble, on peut se toucher quelquefois. Donc, continue. Hein? Praticamente ci sta dicendo allora che il gioco si posizionano appunto questi lupi nella parte di sinistra e le pecore appunto vengono messe dall'altra parte. Praticamente il gioco funziona un po' come la nostra dama. Le pecore devono appunto spostarsi all'interno del piano di gioco e i lupi ovviamente devono cercare di mangiare le pecore. Ovviamente è migliore il gioco, come possiamo vedere dietro nei nostri atelier, che si può provare a due, perché a due si può interagire, si può parlare con l'altra persona, insomma il gioco diventa più divertente, ecco. Bien, voilà. Maintenant le tablier est plein. Maintenant Les moutons voulaient rentrer dans leur refuge, voulaient rentrer après la fin de la journée, ils vont rentrer à la maison, voilà. Mais il y a deux loups qui les attendent, il faut qu'ils évitent le loup. Lo scopo del gioco appunto è fare entrare le pecore dentro al loro rifugio, che è la parte di sinistra dove ci sono i lupi, e appunto devono cercare di scappare e non farsi mangiare, quindi devono cercare di muoversi nel miglior modo possibile per evitare di essere mangiate e di poter entrare in questo modo nel rifugio. Maintenant mon ami interprète, elle joue avec moi. Donc on va jouer ensemble. Giochiamo insieme. Tu joues le rôle des moutons et je joue le rôle de loup. OK? OK. Voilà. Je vais mourir. Alors, on demande aux moutons de rentrer à l'intérieur. À l'intérieur du refuge. Ok, allora giochiamo insieme, chiediamo, cioè cerchiamo di fare in modo di far entrare le pecore nel rifugio. Donc, elle a préféré, elle a choisi de commencer par le mouton, ce mouton-là, pour rentrer. Donc, le loup, les moutons n'ont pas le droit de reculer, ils ont uniquement le droit d'avancer. D'aller en suivant les lignes croisées, d'avancer ou d'aller latéralement. Ils n'ont pas le droit de reculer. Par contre, les loups ont le droit de courir et de sauter dans tous les sens. Donc, ils sont très dangereux. Et moi, je ne suis pas dangereux. Comme je vais prendre le rôle, la tâche des loups. Allora, il gioco praticamente si svolge che le pecore si devono muovere, cercare di avanzare verso diciamo, il rifugio, però possono muovere, cioè possono solo avanzare, non possono tornare indietro, mentre invece i lupi possono avanzare, tornare indietro, si possono muovere insomma, come vogliono e fare la strage di pecore. Donc, le mouton avance. C'est le rôle du loup maintenant. Je vais choisir un endroit où je peux manger. Je me prépare pour manger un mouton parce que j'ai faim. Voilà, j'ai faim maintenant. OK. Tu fais attention. Je vais terminer. Je démontre la règle uniquement. Donc, le loup maintenant, il a quelque chose à manger. C'est le mouton qu'elle a bougé. Valentina, elle est en danger. Le mouton, ton mouton, il est en danger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déplacer. Soit le déplacer ou le couvrir par un autre. Soit le déplacer, ouais, couvrir par un autre, il n'est plus en danger. Okay.
In questo modo io ho spostato la pecora nella parte sinistra, quindi ho coperto, diciamo, lo spazio che il lupo avrebbe avuto per mangiare la pecora. Quindi in un certo senso mi sono riparata. Donc Valérine, elle essaie de faire rentrer les moutons à l'intérieur, remplir. Donc ici, ce mouton, il est en danger parce que le loup peut sauter, Willy, peut sauter sur et le mange quand ce petit-là, il n'est pas rentré. Là, voilà. Je démontre comment le loup mange. Ci mostra come il lupo può mangiare la pecora, voilà, saltando, appunto. Voilà. E voilà, questa pecora è stata mangiata. Et comme ça, il est mangé. La pecora è mangiata. Donc, c'est pas une programmation mécanique, mais une programmation de stratégie tactique humaine. L'homme à l'homme. Et voilà comment nous avons fait pour développer notre patrimoine immatériel. Dunque si tratta di una, appunto, una strategia che bisogna cercare di utilizzare, appunto, per spostare le pecore verso il rifugio e, diciamo, metterle in salvo. Quindi bisogna pensare bene a come muoversi. Et merci pour votre attention. Voilà. Si ha des questions, voilà. Se avete delle domande potete farle. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo il dottor Ezzedine Bouzid, presidente dell'Association Tunisienne de Sauvegarde des Jeux et d'Espoirs du Patrimoine, per il suo intervento sulla digitalizzazione dei giochi cognitivi tradizionali della Tunisia.